Zanmi, telespektateur ak internaut La Voix de l'Amérique, depuis Studio 18 là, moi c'est Jean-Pierre Leroy qui pral présente actualité à en Haïti ak nan res monde là. N'a commencé avec actualité à ici aux États-Unis pour grand point yo, eh bien ancien conseiller sécurité nationale président Trump là, général Michael Flynn, il déplié des coupables de ce que l'était by enquêteur fédéral menti concernant contact l'était prend ak ambassadeur la Russie, yon accusation qui ka fait le prend yon tout prison 5 ans. Dans Zimbabwe, président qui fait monter sous pouvoir Emmerson Mnangagwa nommé plusieurs gros responsabilités dans le cabinet ministériel, mais pas un seul membre opposition. Et puis en Haïti, président haïtien de Jovenel Moïse a visité région Grand Nord pays. Voilà, c'est grand point ça, on a développé pour vous dans le journal jeudi. Une autre fois encore, on a salué téléspectateurs et internautes New York, ancien conseiller sécurité nationale, président Donald Trump, général Michael Flynn, plaidé coupable jeudi vendredi à de ce que les bail enquêteurs fédéral menti concernant contact qu'il prend avec l'ambassadeur de la Russie ici aux États-Unis. Décision général Flynn prend pour le plaider coupable là, qui a montré la coopération avec le commissaire spécial Robert Mueller, qui a mené enquête sous ingérence de la Russie dans l'élection 2016 là et sous une possible entente entre responsables campagne Trump là avec la Russie pour y faire manque et mélange à résultat élection. Après monsieur Flynn te fin comparaître devant tribunal, il publié une déclaration côté il dit n'a cité action moins reconnaître devant tribunal là qu'a fait moins que me t'ai posé yo, alors c'était mauvaise action et moins prend engagement sous la foi moins non bon Dieu pour me dire toute la vérité sous a fait ça, fin de citation. Michael Flynn pour répondre à l'accusation de ce que l'ité commet une grave violation de la loi, peut-être l'ité bâille menti sous deux conversation privée était gain avec ambassadeur russe là Sergei Kislyak, une accusation qui a fait le prend yon tout prison 5 ans. Actualité à nan pays d'Haïti, nous parlons dans la région Grand Nord pays a et côté président haïtien Jovenel Moïse visité plusieurs fermes agricoles. Yon reportage Jodley Junior Saint-Ville depuis Fort Liberté. Pendant Vireron ça, li fait dans département Nord ak Nord-Est jeudi 31 novembre 2017 là, chef l'État Jovenel Moïse visité plusieurs fermes agricoles qui est spécialisées dans production poule ak œufs, dans savane carré, limonade, trou du Nord ak caracol. Dans l'idée d'après ça dit pour voyer un signal accompagnement clair by tout entrepreneur agricole yo. Justement pour me dire nous que là problème manger a son gros problème pays a rien mais solution problème là c'est dans les haïtiens. Solution problème là c'est production produit poule produit œufs satisfaction pas aujourd'hui a là moi non chantier ça veut dire zone ça c'était un côté nous qu'on produit environ 15 000 poules aujourd'hui a un projet qui dérape là pour que nous parlons de 15 hangars, yo chaque parle pour 15 000 pondeuses. De l'autre côté, chef l'État, Jovenel Moïse, bail entrepreneur agricole, garanti, y a besoin de crédit dans l'État. Moi, je dis, le secteur, ça va jouer l'argent, nous-mêmes qui dans tout côté nous et nous serrer, qui dans la majorité silencieuse. Comment se mettre tête nous dehors, qui vont pour l'aïe, qui vont côté nous faire jeu. Comment se mettre tête nous dehors pour télévision, ouais nous, moment, temps, nous te qu'on cacher, attends, ça a fini. Je dis à ces gens qui ne peuvent pas parler, c'est le moment pour nous écrire. C'est pour nous mettre tête nous dehors pour nous parler parole développement, parole changement, parole que le pays attend. L'État prend charge pour que y ait crédit dans le secteur agricole, là, y ait crédit dans la poule avec qu'on y a. Visite là, qui a duré environ 3 heures de temps, d'après chef l'État, rentrée dans le cadre stratégie gouvernement par la gagner pour résoudre définitivement le problème grand goût dans le pays. Jodley Junior Saint-Ville, La Voix de l'Amérique, Trou du Nord.
Soti tout du nord n'a pas allé Port-au-Prince côté séance sur rapport Petro-Caribéa commission spéciale sénatoriale éthique et anti-corruption qui était prévu pour jeudi 30 novembre là et bien il y rapporté pour une date bureau Sénat pas co fixé président chambre là sénateur Yuri Latortue qui fait annonce là hier soir après une rencontre avec certains collègues li et bien numéro 1 chambre là disons chambre là il fait qu'on est capable ajouter l'autre point dans l'ordre du jour prochain séance là tant qu'au choix personnage qui pourra représenter parlement dans le conseil électoral permanent et puis durée mandat certains sénateurs haïtiens qui t'assemblé à bout dans l'année 2018. L'autre point en bref l'actualité à le pays d'Haïti c'est dossier financement parti politique. En bref n'a dit que 58 partis politiques haïtiens eh bien yo qualifié pour recevoir assistance financière pour capable fonctionner puis bien et c'est un comité qui gagne en tête li ingénieur Mathias Pierre qui remet président Jovenel Moïse rapport pour validation. N'a va retourner sous dossier ça pour dans l'autre journal La Voix de l'Amérique et n'a parlé jeudi à de journée internationale sida. Et dans le cadre célébration commémoration journée ça la Voix de l'Amérique t'est organisé et ça l'habitude fait tous les vendredis dialogue avec États-Unis sur santé et bien nous t'ai fait débat jeudi là et n'a pas le présenté ou yon un bref rapport si vous voulez un reportage sous activité dialogue avec États-Unis jeudi là et bien n'a fait qu'on est que dans le plus fort pays dans le monde jeudi vendredi là 1er décembre 2017 là c'est journée internationale sida Jean Saute Julia en occasion et bien nous avons fait les tribunes dialoguées avec les États-Unis sur l'activité responsable de la santé en Haïti. Il y a organisé pour marquer la journée. Eh bien, santé PAM, droit PAM, c'est thème et ça que deux panélistes, t'es traité jeudi, à savoir Dr. Christian François, qui est responsable division soins et traitement dans le département santé publique là, dans Port-au-Prince, avec Dr. Myrta Toussaint-Louis-Saint, pardon, un spécialiste sous dossier SIDA dans le ministère de santé publique haïtien. Dr. François, t'es venu avec résultat une étude qui fait et qui montrait un taux incidence SIDA en Haïti situé pour le moment environ 2%. L'équivalent, c'est à 2%. Et c'est une enquête que nous sommes là. C'est des données préliminaires que nous sommes capables d'utiliser. L'équivalent, c'est à 2,2%. Mais quand il y a là, l'équivalent, c'est à 2% de la population générale. Là. Sauf que la différence, nous connaissons que, au niveau des départements, il y a une différence okay, dans le département en termes de prévalence. Donc, il y a une côté que prévalence est plus haut que la moyenne nationale, mais côté le cas plus bas que la moyenne nationale. Et quand nous considérons justement les groupes clés, les hommes qui ont des relations sexuelles, avec d'autres hommes, côté prévalence, 6 fois prévalence nationale là. Et pour les professionnels du sexe aussi, prévalence plus que 4 fois prévalence au niveau national là. Mais quand on considère tout le monde ensemble, au niveau national de la population adulte, c'est autour de 2% que l'idée. Bon, côté parle docteur Myrta Louis-Saint, spécialiste aux questions SIDA, qui travaille dans le département de santé publique en Haïti, venu avec statistiques qui montrent qui pourcentage divers segments de population haïtienne qui trappent maladie SIDA ou bien virus HIVA qui bat une maladie. Nous sommes capables d'une estimation de nombre d'enfants captifs avec VIH qui soit 7200. Nous avons une estimation de nombre de décès qui est dû au VIH 4200. Et 75% des cas de personnes vivant avec le VIH se retrouvent dans le groupe d'âge de 25 à 34%. Nous avons une prévalence qui est plus élevée que la moyenne nationale chez les hommes qui font le sexe avec les autres hommes, qui est environ 12,9%. Nous avons une prévalence de les professionnels de stress qui ont environ de 8,7%. Donc, on verra tout le traitement parce que nous avons parlé de la stratégie que le programme national a développée, la stratégie TC et TC. Nous gagnons des gens qui travaillent à autour de 55%, des gens qui actifs au 30 septembre depuis que nous commençons à RV 11 500. Et notre institution sanitaire, nous gagnons un bail service pour le VIH, lui environ à 160.
Docteur Kessner François et Docteur Miota Louis-Saint a présenté nous évaluation, disons, ou évolution, pardon, de travail qu'a fait dans le pays d'Haïti pour lutter contre maladie sida, et virus qui baille, et HIV, bien sûr. Je t'ai parlé avec La Voix de l'Amérique dans l'occasion Journée internationale sida, jeudi, vendredi, 1er décembre 2017, là. N'a pas fait coup de pied go naïve, côté un groupe jeune, dans la ville, ça, qui fait partie organisation militant conséquent, critiqué autorité au dans le gouvernement, il dit qu'il pas prend pièce mesure pour accompagner jeunesse qu'on a y vienne là, qu'à vivre une situation difficile. N'a pas invité au suivant extrait. Et tant que jeune garçon dans la ville qui pas font rien, qui a vécu dans le domaine chômage, côté qui a eu pile bagaille qui a atterri dans tout côté dans le département, mais ici, Gonaïve n'ont pas bénéficié en rien. Qu'on DG, qui s'est fait de mon chéri, DG intérieur, qui vient Gonaïve, côté le vient chiter ensemble avec tout jeune, il vient chercher une coalition, il vient chercher une unité maintenant, mitan nous, qui l'a retourné, l'a fait intégration pour jeune, l'a fait jeune n'a pas participé non pile bagaille, et bien, il va jamais marcher. Regardez, où est là? Département la Tibonite encore, Woodley Simon qui c'est nèg machin, qui est sénateur Garcia Mété, comme directeur CAS, ça a les casse là, on peut le monde pas connaître. Qui ça lui, c'est caisse assistance sociale. Jusqu'à présent, dans le naïf, que j'aime bon bagaille comme ça qui atteint. Pour grand monde qui veut vieux, grand monde qui pas capable. Surtout, mais moi, décembre, je vais côté que janvier pour tomber, et puis un monde naïf va souffrir pour qu'on gagne, pas de quartier propre, pas de décoration, pas de grand fête, quand nous n'avons pas de jeune sous 1er janvier. Nous connaissons le président de volonté pour le travail, mais nous connaissons allié bon côté le pas bal côté pour le passé. Nous même en GMK, groupe militant conséquent, nous prenons position nous. Côté que nous avons demandé ensemble avec le président PIA, son excellence Jovenel Moïse, pour le capable prendre dans tout ça l'a fait. Nous avons aimé jeunes intégrés dans tout ça l'état fait dans Gonaïve. Nous avons aimé jeunes structurés, nous avons aimé jeunes dans une série de bagailles pour le loisir, pour la participer là-dedans. Pierre Richard, c'est un jeune Gonaïve qui fait partie organisation militant conséquent. Il t'a parlé sous frustration que jeune Gonaïve gagne. Il attend que le gouvernement responsable est penché sous caillou. Nous pour aller dans Zimbabwe, président qui fait monter sous pouvoir dans Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, nommé plusieurs gros responsabilités dans le cabinet ministériel. C'est télévision l'État zimbabwéen qui a annoncé nouvelle là en fin journée hier jeudi. Le gouvernement mettait sous côté représentant opposition dans tous les 22 ministères qui existaient dans le pays et action ça vient éliminer tout espoir comme quoi président Mnangagwa t'a formé un cabinet qui puis inclusif. Passé prédécesseur l'IA, ancien président Robert Mugabe. Monsieur Mugabe, qui gagne 93 ans et qui t'est passé 37 ans sous pouvoir, t'est bail démission li semaine passée en bas gros pression après la mise zimbabwéenne t'est fin déchouqué li sous pouvoir. En même temps tout, monsieur Mugabe t'est perdu appui parlementaire qui s'est membre propre parti politique l'IA Zanouf. N'a pas les football qu'on y a avec tirage au sort qui déroulait vendredi à sous Coupe du Monde Russie 2018. Eh bien, pays qui a participé dans Coupe du Monde Russie 2018 là, il connaît adversaire yo dans premier tour compétition après tirage au sort qui déroulait vendredi 1er décembre dans Palais Kremlin. N'a bien détail avec Jean-Bert Philippe. Eh bien, mes amis, attention fanatique, je t'ai fixé dans la ville de Moscou vendredi 1er décembre, côté tirage au sort, Coupe du Monde FIFA 2018 a été déroulée avec participation 32 pays qui qualifiaient, qui divisaient en 8 groupes de 4. Selon calendrier et selon tirage au sort, ils ont divisé comme ça. All eyes on you. Nabdiou d'abord et gagne dans groupe A gagne la Russie pays organisateur Uruguay Égypte Arabie Saoudite dans groupe B à Portugal Espagne Iran Maroc groupe C c'est la France Pérou Danemark Australie groupe D nous joignons Argentine Croatie Islande avec Nigeria et puis dans groupe EA, le Brésil, la Suisse, Costa Rica avec Serbie. Groupe F, là, l'Allemagne, Mexique, la Suède avec Corée du Sud. Groupe GA, nous jouons Belgique, Angleterre, Tunisie avec un nouveau venu, dans CONCACAF, dans le pays de Panama. Et puis, il y a un groupe H, là, la Pologne, Colombie, Sénégal avec Japon. D'après le calendrier, mes premiers comptes sont présentés comme ça. Là aussi, le pays organisateur a ouvert une compétition devant Arabie Saoudite, dans la ville de Moscou. C'est ce que l'Allemagne a rencontré avec Mexique. Le Brésil a ouvert une compétition en tout, lui-même contre la Suisse, champion européen pour Portugal pour le topé Conley avec Espagne dans le groupe B et puis nous jouons l'Angleterre qui peut rouler ballon devant nous nouveau venu en parlant de Panama dans le groupe Chia.
Coupe du monde là, l'a déroulé dans 11 villes là aussi, sorti 14 juin pour 15 juillet 2018 avec un total 64 rencontres. Depuis salle des nouvelles là-bas d'Amérique là, moi c'est Jean-Aubert Philippe. Eh bien, on a dit tout fanatique, fanatique football, yo, surtout fanatique Argentine avec Brésil, yo, que calme, parce que nous, dans le groupe, yoa, eh bien, pas un gros adversaire, donc, t'as suivi, et c'est sûr que t'as suivi pour vous, et t'as fini un commentaire sous, football là, sous Coupe du Monde 2018 là, avec son passion pour tout le monde, bah, ici, et dans la voie de l'Amérique, bien sûr. Maintenant, on a passé dans un segment spécial là, nous parle pas, nous parle garder avec, Florence Disney, situation, cinéma dans le pays d'Haïti, et divertissement pour jeunes, c'est thème segment ça avec Florence Lise, ma invitée au suivre. Jeunes, c'est principale catégorie qui victime loisirs, divertissement, en particulier salle cinéma qui pas gagné en Haïti. Ça, c'est avis Arnold Antonin, un cinéaste haïtien. Professionnel cinéma ça, qui c'est tout, yon professeur dans l'université expliqué, c'est chaque jour, lui-même l'a rencontré avec jeunes qui ont même manifesté envie pour ta embrasser yon carrière dans le cinéma. Mais plus gros inquiétude yon rete, c'est qui côté yon pral projeté production cinématographique yon. Ça, c'est yon parmi divers problèmes, salle cinéma qui pa gagné en Haïti en la cause. Faut que le ministère de l'Éducation nationale, et ministère de l'Environnement, et ministère de la Santé, tout le monde s'est mis ensemble avec une volonté politique de créer des espaces pour créer deux ou trois salles de spectacle côté monde qui a fait film et en même temps pour faire théâtre. Il y a un problème qui touche les cinéastes et tout l'autre professionnel qui a produit dans le domaine. C'est l'encouragement qu'il y a gagné, c'est la possibilité pour participer dans divers festivals films internationaux. Vous connaissez au fait, mais dernier salaire dans Port-au-Prince là, un mois avant tremblement de terre. Le public là, t'es grand goût pour le cinéma haïtien. Et puis, le cinéma vient en coup un bagaille qui mourit, j'ai envie dans l'œuf. Mais, Arnold Antonin, qui ça qui la cause toute salle cinéma fermée en Haïti? T'es gagné un pile piratage, piratage contribue en pile à tuer le cinéma haïtien. T'es gagné une instabilité politique avec un pile violence dans la rue, fait mon yo fuit sa lio. Professionnel dans cinématographie, pas celle victime, situation ça. Cinéaste là pas gain doute divertissement ça qui manqué a gain gros conséquences sur santé population qui manqué espace de divertissement pour jeune on sont pas extrêmement important pour un jeune s'il pas gain côté pour l'aller nous te qu'on a eu les petits souris après venir zo kiki donc c'est de bail y a improvisé et en général dans un cadre absolument précaire un cadre interlope donc qui pas même beau pour santé morale ni santé physique si mon yo même je pas gain côté pour elle faire sport. Une affirmation, Jean-Aubert Desrosiers confirmé. Psychologue clinicien ça qui expliquait qui ça vivre en santé, y est fait qu'on est divertissement joue un rôle important dans bien-être yon moun. Ou capable que loisir là son composante même de question santé. Il participer dans fait individu, dans fait moun là sentir bien. C'est ça qui fait yon moun qui pa gen accès à divertissement. Ça a des gros conséquences, conséquences négatives même sous la ville. Physique, mental, social. Florence Lisney Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Un bel des spectateurs qui a payé sur le programme après-midi a bien changé ciné Eldorado, n'est-ce pas? Et sous la place de Jérémy, le ciné Lido tout Sénégal, ce n'est pas là. Mais la génération actuelle là, c'est Imperial Rex Théâtre, la capitale que bien sûr que vous connaissez.